सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता चार दीवारी में शगुन के इस पुलवारे में उम्र भी है काटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की Docteur, pourquoi est-ce que vous ne dites pas ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai dit, monsieur? Le fait que Nikita soit mentalement instable, et peut-être qu'elle aurait assassiné son ex-mari, docteur. Quand est-ce que j'ai dit ça, monsieur? Monsieur Virendra, je pense que vous êtes stressé. Je vous suggère de venir me voir pour une thérapie. Docteur! Ça vous ferait du bien, monsieur. Moi, j'ai cru que vous étiez malade et c'est pour cela que je suis venu. Docteur, est-ce que vous vous moquez de moi? Monsieur, ce que vous dites n'a vraiment aucun sens. Alors, excusez-moi. Je suis désolé, inspecteur, mais j'ai des patients à consulter. Je dois y aller, je suis désolé. Quoi? Eh, docteur, vous Monsieur feriez mieux Virendra, de revenir, attendez. C'est un poste de police ici. Sanchi. Tu comprends enfin qui est malade dans cette pièce? Monsieur, officier, ils sont en train de jouer la comédie. Ils le font pour salir mon casier judiciaire. Ils jouent la comédie. Ils essaient de me torturer psychologiquement, j'en suis sûr, officier. La famille Setia s'est d'abord mal comportée envers moi. Et maintenant, ils sont en train de tout faire pour m'inculper avec de fausses allégations. Mais, officier, je fais totalement confiance à la loi et à la justice, y compris... Officier... Monsieur Virendra, si vous essayez encore de la déranger une fois de plus ou de l'inculper avec des allégations sans fondement, alors je me chargerai de vous arrêter tous les deux, vous ainsi que votre fille. Désolé, madame. Vous pouvez partir. D'accord. Si vous voulez bien m'excuser. Monsieur Rajender, croyez-moi, je n'ai rien révélé. Alors s'il vous plaît, libérez mon fils. S'il vous plaît, libérez-le pour l'amour de Dieu, je vous en prie. C'est la fin, papa. Pourquoi le docteur a-t-il agi de cette façon? Non, ce n'est pas de sa faute. Sachez qu'on lui a mis le couteau sous la gorge. Ah bon? Oui. Nikita s'est entendue avec Monsieur Rajender. Je viens d'écouter le docteur parler au téléphone. C'est Monsieur Rajender qui l'a menacé. Il a kidnappé son fils. Il lui a demandé de respecter toutes les consignes, sinon il éliminera son fils. Mais dans cette situation, un père est obligé de mentir pour sauver son fils. Dans ce cas, je porterai plainte contre Nikita et Rajender. Non, papa. Hey. Non, papa. Cela ne servirait à rien. Nikita va encore les manipuler, papa. Nous avons besoin de preuves solides. Et nous n'en avons pas assez. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il nous reste une dernière option.
La raison pour laquelle Nikita a retiré sa plainte reste un mystère. Moi-même, je suis perplexe. Mais pourquoi ? Dis-moi, Sanchi, qu'as-tu dit à Nikita pour qu'elle retire sa plainte aussi vite ? S'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce que tu as dit à Nikita ? Pourquoi a-t-elle été d'accord, Sanchi ? Elle a exaucé mon vœu, Ariane. Je voulais que tu viennes aux États-Unis. Jusqu'ici, j'avais sous-estimé Sanchi. Elle n'est pas si stupide. Et après mûre réflexion, elle a décidé d'aller s'installer en Australie. Et toi et moi, nous irons aux USA. Si tu crois que je vais venir avec toi, Nikita, tu te trompes complètement. Cela ne se réalisera jamais, tu m'entends ? Je n'irai nulle part avec toi, ça tu peux me croire. Sache que j'ai l'habitude de transformer mes rêves en réalité. N'oublie pas que j'ai tous les papiers. Ces papiers ont été lus et approuvés, et en plus, devine quoi ? Sanchi est l'une des signataires. Ces papiers stipulent que Sanchi est censé divorcer d'Ariane pour aller en effet s'installer avec ses parents de manière permanente en Australie. Par ailleurs, elle a tout son temps pour y aller. Pas vrai, Sanchi ? Sanchi ? Sanchi ? Je t'avais prévenu que je gagnerais cette bataille. En fait, c'était de la faute de Sanchi. Quelle stupide fille. Elle aurait dû savoir à qui elle avait affaire avant de s'attaquer à moi. Laissons le passé derrière nous, tu veux ? Nous avons un avenir prometteur. Tu devrais y penser. Toi, moi, aux États-Unis. Allez, qu'y a-t-il ? Conduisez plus vite, je ne veux pas rater mon vol. Pourquoi prenez-vous cette route ? Il y a les raccourcis. Madame, cette route nous mène à l'aéroport. C'est le chemin le plus court. Si nous n'arrivons pas à temps et que je rate mon vol, je vous promets... Calmez-vous, madame. Vous allez arriver à l'heure. Tout est de ma faute. C'est moi qui suis à l'origine de tout. Mon propre fils, en train de quitter le pays... J'ai perdu une adorable belle fille comme Sanchi. Et qui ai-je amené en retour ? Nikita, la sorcière. C'est de ma faute. Ne culpabilise pas, mère. Si c'est de ta faute, alors c'est aussi la mienne. Personne ne connaissait les intentions de Nikita. Mais pourquoi est-ce que vous vous arrêtez ? Qu'y a-t-il ? Apparemment, nous avons une panne sèche. Écoutez-moi bien, je vous préviens que si je rate mon vol, vous allez en payer les frais. Hé !
Que faites-vous? Nous allons être vraiment en retard. Quoi? Que faites-vous? Dépêchez-vous! Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez des soucis? Juste une panne de voiture. Messieurs, s'il vous plaît, ne le dérangez pas. Dépêchez-vous de réparer ça. Vous avez passé votre temps à me crier dessus. Maintenant, vous êtes en face de moi. Vous ne vous doutez même pas de la raison pour laquelle je vous emmenais ici. Écoutez, mademoiselle. Donnez-moi tout l'argent que vous avez. Donnez-moi aussi vos bijoux. Donnez-moi tout. Sinon, vous n'irez nulle part, et encore moins en Amérique. Attendez, s'il vous plaît. Nikita, donne-leur ce qu'ils veulent, s'il te plaît. Oui, oui, tenez, prenez, prenez, gardez tout, prenez. Attendez, Prenez ça, gardez tout, gardez l'argent, s'il vous plaît, mais juste laissez-nous partir, s'il vous plaît, laissez-nous. Allons-y, Ariane, partons. Donnez-moi le... Ne vous avisez pas de la toucher. C'était la dernière fois. Allez. Donne-leur maintenant. Tenez, et maintenant, laissez-nous partir, s'il vous plaît, on s'en va. Écoutez, on vous a donné ce que vous vouliez. Maintenant, laissez-nous partir, s'il vous plaît, ça suffit. Vous laissez ? Pardon, monsieur. Vous voulez qu'on vous laisse, hein? Nous n'avons même pas encore commencé. C'est juste le début. Attrapez-le! Ariane! Comment osez-vous me frapper? Tu vas te calmer maintenant. Sinon, je vais tuer cette fille. Tu comprends ça? S'il lui arrive quelque chose, vous aurez affaire à moi. Écoutez! Pardon, nous avons donné tout ce que nous avions. Maintenant, laissez-nous partir, s'il vous plaît. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. On veut jouer au héros. On va le corriger. Embarquez-le. Allez, vite, viens avec nous. Ariane, je vous en prie, laissez-moi. Laissez-nous partir. Ariane. Allez, Ariane, là, allez, on y va. Allons-y. Arrêtez, Ariane. Aidez-moi! À l'aide! Au secours! Montez! Allez, mon oncle, s'il te plaît, décroche. Allô? Allô, mon oncle? Mon oncle, c'est terrible, tout est fini. J'allais à l'aéroport avec Ariane et soudain, des malfrats sont venus kidnapper Ariane en cours de route. Et tout est terminé! S'il vous plaît, faites quelque chose, mon oncle. Je dois partir avec Ariane. L'avion nous attend. S'il vous plaît, faites quelque chose, je ne sais pas. S'il vous plaît, ramenez-le. Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est pour lui, mon oncle. J'ai même engagé des gens pour qu'ils fassent semblant de le séquestrer. Et après avoir su que Sanchi était de retour, je lui ai fait du chantage. Et j'ai dit que si elle ne veut pas que Ariane et sa famille passent le restant de leur jour en prison, alors elle doit laisser Ariane une bonne fois pour toutes et s'éloigner de lui. Je ne peux pas abandonner au dernier moment. Aidez-moi, s'il vous plaît, mon oncle, aidez-moi, aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi, mon oncle. À l'aide! À l'aide! Au secours! Arrêtez-vous! Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi! Monsieur, mon mari, Ariane, certaines personnes l'ont enlevé, ils sont allés avec lui dans la voiture. Arrêtez-la, amenez-la. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, je n'ai rien fait, croyez-moi, mon mari a été kidnappé. Pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? Vous vous trompez. S'il vous plaît, je veux sauver mon mari. Vous devez tout faire pour arrêter ces hommes. Écoutez-moi, vous allez rester tranquille. Monsieur, maintenant. Mais vous vous trompez. Arrêtez-la. Allez, amenez-la. Vous expliquerez au poste de police. Vous vous trompez, monsieur. Amenez-la. Allez, plus vite que ça. Je n'ai rien fait, vous vous trompez.
Monsieur, je vous dis que mon mari a été kidnappé. S'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi, monsieur. Vous vous trompez. Des gens ont kidnappé Ariane. Le chauffeur de taxi était leur complice. Ils ont monté un coup contre nous. Et ils nous ont aussi cambriolés, monsieur. Et au lieu de les arrêter, vous m'avez arrêté, moi. Je suis la victime et non la coupable. Et s'ils font du mal à Ariane, s'il vous plaît, faites quelque chose. J'ai tout fait pour avoir son amour, mon oncle. Je l'ai accusé à tort de m'avoir agressé et l'ai fait arrêter. Et quand j'ai découvert que Sanchi était de retour, je l'ai fait chanter. Je lui ai dit que si elle ne cédait pas, Ariane et sa famille seraient jetées en prison pour le reste de leur vie, qu'elle devrait s'éloigner d'Ariane pour toujours. Je ne peux pas perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé à la dernière minute, mon oncle. S'il vous plaît, aidez-moi, mon oncle. Monsieur, monsieur, c'est une conspiration contre moi, c'est un coup monté. Je suis innocente, je n'ai rien fait, tout est la faute de Sanchi, je le jure. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Assez maintenant, Nikita. Toutes tes manigances ont été découvertes. Vous aurez affaire à moi. Faites venir mon avocat. Je ne tarderai pas à porter plainte contre vous tous. Où est-ce que vous m'emmenez ? On vous transfère à la prison. Allez, venez. Je vous remercie du fond du cœur. Mon oncle aussi tenait à tous vous remercier. Mais il devait d'abord s'occuper de quelque chose de très important. J'apprécie la façon dont vous avez tous agi aujourd'hui. Merci beaucoup. Écoutez, notre jeu d'acteur a aidé à sauver votre famille. Cela a été un plaisir. Hein ? Je dois m'en aller. Allons-y. Ce que Nikita nous a fait cause un profond trouble chez tout le monde. Tout est de ma faute. J'ai refusé de reconnaître sa vraie nature. Non, mère. Ne vous inquiétez plus. Tout va bien maintenant. Ma fille monte dans la voiture, rentrant à la maison. Où est Ariane? Il doit être quelque part. Il est chargé. Faites attention, Nikita. Ne vous approchez pas. Nikita, ce que vous faites est ne répréhensible. Ne vous approchez pas, je vous dis. Sinon, je tire. Reculez ou je tire. N'oublie pas tout ce temps que nous avons passé ensemble.
Ariane, tu dois te relever. Il faut que tu tiennes le coup. Ariane, ouvre les yeux. Non, vous devez rester là, madame. Ariane! Écoutez, cette femme est très dangereuse. Gardez un œil sur elle. Oui, monsieur. Je ne tolérerai aucune négligence. Ok, monsieur. Ariane, c'est Tia. Peux-tu me serrer la main? J'aime beaucoup Sanchi. Mais je constate que Sanchi ne... Je l'aime aussi. Nous avons extrait la balle. Mais il est grièvement blessé. L'état d'Ariane est très sérieux. Nous devons le garder en observation. Excusez-moi. Voilà ton repas. Excusez-moi. Avez-vous eu des nouvelles d'Ariane? Comment va-t-il? Madame! Je vous ai posé une question. Pourquoi personne ne me dit rien, hein? Ariane. Est un témoin de son existence. C'est la preuve même de son existence. Quand on ne peut pas voir l'ombre dans le noir, on cesse aussi de voir la personne. Ariane, tu es mon ombre. Je voudrais que tu saches que sans toi à mes côtés, je n'ai pas d'existence. Nous avons toujours été ensemble dans les moments difficiles, malgré toutes nos disputes. Nous ne nous sommes jamais quittés. Tu veux me priver de ta présence? Est-ce que tu te rappelles? Quand je
Quand je suis revenue, tu m'as appelée. Et tu étais très en colère. Mon amour, je te le demande de tout mon cœur, Ariane. S'il te plaît, reviens. Sinon, moi, j'aurai plus de partenaire. Ariane, écoute. Tu me manques. Tu m'entends? Dans la folie. Ariane, Ariane, ça suffit. Ça suffit maintenant. Ariane. Docteur, venez vite. S'il vous plaît. Attention, poussez-vous, s'il vous plaît. C'est une urgence. Allez, vite, vite. Une urgence, allez, vite. Dites, docteur, est-ce une malade mentale? Non, une prisonnière. Le patient a repris conscience. Vous pouvez le voir. Elle a beaucoup saigné, mais Dieu merci, elle est sauve. On va la garder en observation et on la libérera probablement demain. Écoutez, surveillez-la de près. Je peux compter sur vous? Ariane est un garçon très fort. Sa volonté l'a sûrement beaucoup aidé. Je vois qu'il vous aime énormément. Il va mieux maintenant. Il sera libéré aujourd'hui. D'accord? Je vous laisse, il est à vous. Mon Dieu, je vous remercie vraiment. Mon fils va bien. Est à l'intérieur. Sanchi? Oui, père. Ma fille, Ariane veut te voir. Vas-y. Enfin. J'ai tout essayé. J'ai fait tout pour me rapprocher de toi, Ariane. C'était assez difficile de s'évader de prison en présence de tous ces policiers. Mais s'échapper d'ici, c'est vraiment du gâteau pour moi. Viens. Sanchi? Pourquoi m'aimes-tu autant, Écoute, ton amour m'a sauvé une fois de plus. Allons-y. Oh,
Une personne est toujours gagnante, jusqu'à ce qu'elle décide d'abandonner. Peu importe les nombreuses ruses que tu mettras sur pied, Sanchi, sois sûr que j'aurai Ariane coûte que coûte. Votre partenariat va bientôt toucher à sa fin. Je vais très prochainement t'arracher, Ariane. Attends et observe. Tu risques d'être surprise. Vous avez trop souffert tous les deux. Les jours heureux sont à présent de retour. Que nos dieux vous protègent du mauvais œil. Et que votre mariage dure à tout jamais. Venez, entrez. Qu'il nous voit. Tu ne peux en aucun cas cacher l'amour. Incroyable. Tu es romantique aujourd'hui. Tu n'as pas honte. Un grand homme a dit que celui qui a honte est un homme malheureux. Hey, madame, j'ai assez attendu, tu ne crois pas? Et je ne peux plus attendre. Ariane, je suis toujours avec toi. Qu'est-ce que tu attends? Eh bien, j'attends... Qu'est-ce que tu attends? J'attends Sanchi. Pourquoi? J'attends... un baiser. Pour toi. Oui, oui, j'arrive. Ariane, un colis est arrivé pour moi. Maman et papa ont dû me faire une surprise. Je... Mais enfin, Sanchi, et ma surprise à moi, alors? Attends-moi une minute, je reviens dans un instant, ok? Oui, dites-moi. C'était ma surprise pour toi. Il se pourrait que tu aies caché ma belle-fille quelque part. Dis-moi, où est-elle? Ma tante. Elle est sortie à l'instant. Je vais la chercher. Sanchi? Thank you.
Sanchi. Père, papa, j'ai trouvé le voile de Sanchi et ses bracelets abîmés dehors. Sanchi est en danger, j'en suis sûr. Quoi ? Sanchi est en danger ? Nous devons aller au commissariat. Oui. Allons-y. Oui, allons-y. Allons-y. Monsieur l'officier, Sanchi était sorti récupérer un colis. Je m'impatientais, alors je suis sorti la chercher, mais je ne l'ai vue nulle part. Voici ce que j'ai retrouvé dehors. En voyant ses sandales et ses bracelets cassés, j'en ai conclu qu'on l'avait kidnappée. On l'a forcée, elle a été obligée. Inspecteur, s'il vous plaît, ramenez-nous notre Sanchi. Ça ne peut être l'œuvre que d'une personne. C'est l'œuvre de Nikita. Monsieur Virendra, c'est impossible, parce que Nikita est en garde à vue. Et bientôt, elle sera transférée à la prison centrale. Il est déjà l'heure de son transfert. Allô ? Quoi ? Nikita s'est échappée ? Comment peut-elle s'échapper de l'hôpital en présence de policiers ? Que faisiez-vous ? Mais comment Nikita a-t-elle pu s'échapper ? J'irai moi-même chercher Sanchi. Écoutez, j'assignerai toute mon équipe. Nous trouverons Sanchi Setia à tout prix. Par contre, j'aurai besoin de quelques détails sur elle. Je vous écoute. Que voudriez-vous savoir ? Tu es en colère ? Tu es furieuse contre moi, c'est ça ? Oh, allez, laisse-moi donc te rafraîchir. Vouloir me maintenir en prison est vraiment impossible. J'ai fait tellement de chemin pour pouvoir parvenir à mes fins, tu sais. Pour me venger de toi, Sanchi. Ariane sera à moi coûte que coûte. Voyons ce qu'il fera pour te sauver. Puisqu'il viendra à ton secours, il me trouvera sur place. Je suis certaine qu'il viendra en courant. Et à la seconde où il arrivera ici, il ne pourra plus jamais me quitter, tu vois. Mon Dieu, punis-moi pour mon erreur. S'il te plaît, épargne ma famille. Belle-sœur, écoute-moi. Il ne faut pas culpabiliser, sinon tu seras malade. Nous prions Dieu. Alors Ariane et Sanchi reviendront ici sains et saufs. Il ne leur arrivera rien. Ils n'auront rien, ma belle-sœur. Ne t'inquiète pas. Ariane, où vas-tu ? Papa, je vais au domicile de l'oncle de Nikita. Peut-être qu'il est au courant du plan de Nikita et que je pourrais faire quelque chose. Non. L'oncle de Nikita est un avocat de renom. Il ne pourrait pas mettre toute sa carrière en jeu pour soutenir une criminelle. Écoute, il faut te ressaisir. Les décisions prises trop rapidement ne sont pas toujours les bonnes. Hmm ? On y va, Prabhat. Quoi ?
Ariane, allons-y. Qui est-il? C'est le message de Nikita? Ariane, viens seule à ma rencontre. Si tu ne viens pas seule, Sanchi... Ariane, nous devons informer les autres. Non, mon frère. Tout le monde est déjà très perturbé. Ils s'inquiéteront encore plus. Mais on peut au moins le dire à la police? Non, mon frère. Il ne faut pas impliquer la police. Tu connais Nikita? Si elle est au courant, elle mettra la vie de Sanchi en danger. Ramène tout le monde à la maison et dis-leur que je suis allé au travail et que je rentrerai juste après. Appelle-moi si tu as des ennuis, d'accord? Gardez un œil sur elle. Ne la laissez jamais seule, même pour une minute. Je vais rencontrer Ariane. Sachez qu'elle n'est pas aussi innocente qu'elle n'y paraît. Elle fera tout son possible pour s'échapper d'ici. Et si elle se débat trop, calmez-la comme il se doit. D'accord. Regardez-la. Regardez dans quel état elle se trouve. On dirait qu'elle s'est évanouie. Même si on la détache, elle pourra pas marcher. Venez, on va fumer une clope. Allons-y. Ikirishita, ikirishita, sajidari.